Salut les filles, donc une nouvelle vidéo. Donc là, pour vous expliquer comment je procède pour étaler l'huile de riz. Vous êtes d'accord avec moi, c'est épais, c'est collant, c'est vraiment pas possible à mettre. Donc vous allez voir, je l'ai déjà mis, mes cheveux sont gras, collants. Et l'huile de ricin, c'est très très épais, c'est vraiment difficile à appliquer. Donc je vais vous montrer un petit peu moi comment je procède. Donc j'ai besoin de pinces. Donc l'huile de ricin va servir principalement pour les racines. Et pour tout ce qui est longueur, je vais mettre mon baume au néroli. Voilà. Donc j'en ai déjà mis, mais je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Donc je mets d'abord mes cheveux en arrière et je vais procéder par étapes. Donc là, voilà, je vais faire une raie ici derrière, peu importe. Et je vais remonter avec la pince. Voilà. Donc il suffit d'avoir une brosse en poils de sanglier qui est ici. Donc vous vous en foutez, hein, c'est. Dans tous les cas, il faudra la nettoyer parce qu'elle sera huileuse. Voilà, donc j'enlève les cheveux de trop. Donc vous allez mettre quelques gouttes d'huile sur la brosse. Voilà. Et vous allez vous brosser les cheveux avec, mais d'abord en commençant bien par les racines. Donc voilà, donc la brosse va permettre de faire un massage et d'appliquer l'huile bien comme il faut des racines jusqu'aux pointes. Et après vous complétez avec une autre huile pour tout ce qui est pointe, parce que des fois ça va pas jusqu'en bas. Donc il faudra sans doute les masser avec autre chose. Donc voilà, je procède par cette manière. Et quand j'ai terminé, je remonte. Voilà. Il suffit d'enlever la pince, refaire une nouvelle raie. Donc là, je suis passée à un étage au-dessus. Faut pas oublier de faire sur les côtés. Donc vous procédez de la même manière, quelques gouttes. Et vous appliquez. Donc il faudra bien nettoyer la brosse entre-temps. Bien la savonner, bien la rincer, terminer avec un petit peu de vinaigre. Bon, je vous conseille de laisser ce bain d'huile au moins 2 heures, voire une nuit. Ça va vraiment faire du bien à vos cheveux. Et en plus de ça, c'est très très bon pour la pousse. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu. Après, il faut aller jusqu'en haut. Vous procédez toujours réparer. Quand vous arrivez ici en haut, ben vous continuez au niveau des racines, etc. Vous brossez bien jusqu'à ce que ce soit bien enduit partout. Voilà, et ensuite je sépare en deux. Vous prenez ce que vous voulez après, hein, du beurre de karité, une autre huile plus concentrée, comme vous voulez. Donc je prends un petit peu de baume. Voilà. Je fais chauffer, voilà, je vais masser un petit peu mes longueurs jusqu'aux pointes. Comme vous voyez, j'ai coupé, j'ai enlevé 4 cm il n'y a pas longtemps. Et je ne compte plus y toucher pendant un petit moment. Donc c'est pour ça que j'essaye de préserver mes pointes au maximum. Normalement, là, je suis en train de faire une cure de coco. Mais étant donné que ma salle de bain est en travaux, je ne peux pas utiliser la baignoire comme je veux. Alors bon, je vais faire quelque chose de plus facile à rincer, on va dire. Et puis je continuerai quand ce sera terminé. Donc en attendant, je fais du ricin à défaut de faire du coco. Que je vais laisser poser 3 heures, je pense que ce sera suffisant, ce sera très bien. N'hésitez pas à prendre votre temps histoire d'en mettre bien partout, bien massé. Comme là, la brosse a fait office de massage, mais bon, je vais terminer un petit peu avec les doigts.
Voilà, donc rien de plus simple pour appliquer l'huile de ricin. Prenez bien votre temps, vous procédez vraiment par ray. Vous gardez soit une brosse à cet effet ou soit vous nettoyez bien votre brosse si vous l'utilisez tous les jours. Et le tour est joué. Donc il n'y a plus qu'à faire un chignon et laisser poser tranquillement. Vous pouvez accélérer l'effet en mettant une serviette chaude sur la tête ou une charlotte, ou sinon vous pouvez laisser comme ceci. Voilà, donc j'espère que mon astuce vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !